m'appelle Gauthier, j'ai 35 ans et aujourd'hui je suis réalisateur avec mes deux acolytes pour les 48 heures de Metz-Bide. Parce qu'il y a 300 euros à gagner et que j'ai grave besoin de thunes. Alors, court-métrage de fiction, je crois que c'est le troisième que je fais. Et le premier, c'était il y a 20 ans. Et après, il y a eu un gros trou de 19 ans. Donc voilà, mais c'est le troisième que je fais en tout cas. Alors, on est tous croyants, premièrement. Donc on va prier, je pense. C'est notre seule chance de sortir notre épingle du jeu. Bah, l'inspiration, nous on attendait d'avoir les contraintes, puisque sur les 48 heures en général, quand tu arrives, on te donne différentes contraintes à respecter pour faire ton film. Et nous on a essayé de jouer à fond la contrainte, donc là il faut qu'il y ait un gallinacé. Donc on a couru un peu dans toute la région pour trouver une poule. Donc voilà, on a trouvé une poule et on construit une petite histoire autour vraiment des contraintes. Donc il y a un passage piéton. Qu'est-ce qu'il y a encore comme contrainte? Il faut qu'il y ait une phrase, machin barbe fleurie. On s'est rendu compte que ça faisait partie d'une chanson, donc on va utiliser cette chanson de France Gall pour un petit peu étoffer notre film. Et donc on est vraiment parti là-dessus à fond, quoi. Le scénario est très tout à fait bidon, mais on a joué vraiment la contrainte. On a cherché à créer quelque chose par rapport aux contraintes qu'on nous a données. Je pense que le fait d'utiliser un animal vivant, ça va être une très grosse contrainte. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour l'instant, on a juste fait les réglages lumière et 2-3 réglages plateau, mais on ne sait pas concrètement encore ce que ça va donner. À mon avis, ça va être très très dur. C'est sur un précédent 48 heures, qui s'appelait en fait un 42 heures de Borny Buzz. Et c'était Cyclone qui m'a, moi, invité à venir là. Et donc j'ai rencontré Charlie, qui est en service civique et qui travaille avec Cyclone, qui lui connaît Eric, qui est photographe. Et donc voilà, c'est des rencontres sur des projets vidéo. Tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort, c'est-à-dire... vu comment je vis, 2 ans, je pense, à peu près, maximum. Et bah, c'est moi qui décide. C'est une bonne manière de bosser. Comment on travaille en équipe? Je pense très facilement, parce qu'on est dans la bonne humeur, on n'est pas du tout dans le stress, ni dans la crainte de quoi que ce soit. Donc, chacun donne ses idées et c'est assez équilibré, je pense. Sachant que c'est moi qui tranche de toute façon. Non, ça t'a pas fait rire ça. Non mais c'est pas grave. Non mais voilà, c'est assez équilibré, ça se passe très bien. T'as pas 500 balles? Ok. C'est tout, il reste comme ça. Il reste comme ça. Là on fait genre, on est hyper inspiré, on réfléchit au scénar. Oui.